Bienvenue, rôliste, sur notre fréquence. Une nouvelle aventure qui nous attend dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Cette fois, nous retrouvons une descendante d'Artsa que nous avons connue sur la saison Hyperald, mais nous serons en Gironde, où la disparition du fils du maire met la commune en émoi. Pour continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Mastodon, etc. ou sur notre site unduorolist.net. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'appel de Cthulhu, où la folie se cache au creux de vos pensées. Nous sommes le 20 septembre 1993 à Saint-Cyr-de-Canès, jolie petite commune rurale du sud-ouest de la France, dans le département de la Gironde, dans le voisinage de Blaye et donnant sur le magnifique estuaire. Mais depuis la veille, c'est l'effervescence car un drame a eu lieu, la disparition du petit Antoine, le fils du maire. Mais là, la caméra se déplace rapidement sur une propriété agricole au centre de ce village, le château Grolet. Et nous retrouvons Sophie Béatrice. Alors, mon personnage s'appelle Sophie Béatrice Amaya Blanche de Rose. C'est une femme d'un certain âge, passée la cinquantaine, dont la profession et la passion sont deux choses. L'œnologie. Elle possède depuis 2 ans le château Grolet qu'elle a racheté. Et sa deuxième passion, c'est les mystères. Et donc, Sophie a tendance à être un peu curieuse, disons, et à se mêler de beaucoup de choses. Et bien évidemment, un mystère d'un enfant disparu, rien ne pourrait la tenter plus que ça. Et ça tombe bien. Donc, Sophie a commencé à faire des cauchemars il y a quelques temps. Et surtout depuis la veille. Enfin, la dernière nuit, elle a entendu dans ses rêves, qui sont transformés un peu en cauchemar, effectivement la voix d'un enfant qui appelait à l'aide, qui demandait à ses parents. Il avait froid dans l'humidité. Et donc ça a vraiment pas aidé à bien dormir. Et depuis sa matinée, en tout cas, avant de me dire où est-ce qu'elle est dans le château, elle s'est remise à jouer avec le dé qu'elle avait de son oncle. Arnsa. Et donc il faut savoir où est-ce que Sophie est actuellement par rapport à la propriété. On est le matin, donc qu'est-ce qu'elle fait à peu près après? Ah ben là, je pense que c'est le bon moment de préciser que Sophie est donc la nièce, pour ceux qui ont suivi notre saison de l'appel de Cthulhu Hyperald, où je joue le personnage Arnsa, un basque de la Bastille de Clérance. Sophie est en fait la nièce d'Arnsa. Donc Arza avait une sœur qui est morte depuis, une jeune sœur qui s'est mariée avec un viticulteur du Bordelais, alors qu'il étudiait l'art du vin dans l'Irulegui, les domaines vinicoles du Pays Basque. Et donc elle a hérité de très peu de choses de son oncle, mais en l'occurrence elle a hérité d'un livre, une sorte de carnet, écrit tout en basque, à peine déchiffrable, et d'un dé. À quoi il ressemble le dé, ok, encore? Donc c'est un dé classique à 6 faces, mais en pierre, et avec des motifs étranges sur chacune des faces. Ok, donc qu'elle a utilisé un peu comme une sorte de porte-bonheur, disons, qui lui a été transmise par sa mère de son oncle. Disons que Sophie a pas connu son oncle, tout ce qu'elle a appris de lui venait de sa mère. Et donc ce matin, comme tous les matins, Sophie fait l'inspection. Donc en quelle saison sommes-nous? En quelle saison sommes-nous? Nous sommes en septembre, juste avant les vendanges. Voilà, donc là le but c'est, donc je pense que Sophie a pris l'habitude tous les matins d'aller voir le raisin sur les cèpes, et de voir si il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de nuisibles, regardez que ça pousse bien, etc. etc. Donc le domaine viticole démarre directement autour du château, qui est un manoir du XVIIe siècle. Donc elle a pu partir à pied dans les vignes. Et effectivement, c'est là on est le 20 septembre, donc c'est les vendanges qui se préparent, c'est bon, un peu tardive. Donc tout ce... Il y a du mouvement avec des saisonniers qui sont venus, des choses comme ça. Donc elle peut peut-être aussi effectivement passer dans les... voir ce qui se passe, quoi. Et quand elle revient de sa tournée vers la propriété, il y a un véhicule de la gendarmerie qui est là, et justement au moment où elle arrive, en sorte de deux gendarmes qui s'approchent, qui viennent la voir. Elle est relativement étonnée. Ceci dit, étant de nature très curieuse, et elle a probablement déjà eu beaucoup d'interactions avec la justice, surtout que un de ses passe-temps préférés, c'est aider à résoudre des mystères, et peut-être qu'elle a donné déjà collaboré avec la police sur certaines choses. Donc, loin d'être effrayée d'avoir la marée chaussée sur son parvis, et elle s'avance vers eux et fait « Messieurs, bien le bonjour, vous êtes en visite ?» Donc tu effectivement, comme ça fait au moins ça fait 2 ans que tu es propriétaire de ce lieu, tu as dû forcément déjà les croiser aux différents aussi à l'occasion de fêtes de la commune ou autre, comme c'est quand même une petite ville, hein, il y a à peine 900 âmes. Donc tu connais ces gendarmes que tu as déjà eu l'occasion de croiser. Et donc tu as le sous-lieutenant Toussaint que tu connais, qui est un jeune homme ou très rayonnant. C'est lui qui représente en fait le plus haut grade dans le secteur, entre guillemets, hein. C'est le premier niveau, hein. C'est normal, vous êtes un petit village, mais c'est entre guillemets le plus gradé, et c'est donc lui qui est souvent avec le maire aux différentes cérémonies. Donc il te fait un sourire. Et comme vous avez déjà croisé, ou comment les gens interagissent avec toi, ils t'appellent par quel nom? Madame Sophie, ou par ton nom de famille, comment tu penses que... Madame Blanche de Rose, la plupart du temps. Disons qu'elle n'est pas forcément très familière avec beaucoup de monde. Donc dans ce cas-là, Donc Madame Blanche de Rose, ça tombe bien que nous vous trouvions. Nous sommes à la recherche d'un de vos employés, André Courvoisier. Est-ce qu'il est là ce matin? Alors, mais du jeu, est-ce que André était là ce matin? Est-ce que je l'ai croisé? Donc, est-ce que tu l'as croisé? Tu l'as croisé, effectivement, il était dans les vignes avec les autres ouvriers. Donc, André Courvoisier, c'est un homme qui est à peu près la quarantaine, qui est un géant, c'est un colosse. C'est toi-même qui l'a fait venir, qui l'a embauché au château il y a 2 ans. C'est un enfant du pays, mais il est parti à l'armée, où tu sais pas exactement ce qu'il a vécu ou autre durant sa carrière militaire, mais avec sa retraite, il a cherché à revenir et à s'installer, et tu l'as recruté pour être ouvrier agricole, parce qu'avec sa force naturelle, il était très utile aux différents travaux, il demandait un salaire correct, et surtout... malgré cette apparence en fait militaire, costaud, colosse, qui peut être pourrait sentir prompt à se battre et à être colérique ou autre, il est d'une douceur et d'un comportement plutôt très, c'est pas enfantin le bon mot, mais il est très gentil et doux en fait au final. Bienveillant. Très bienveillant, mais il parle pas beaucoup en fait. C'est Le géant taciturne. Voilà. Moi, je ne sais pas si taciturne, ce serait le bon mot, mais effectivement, taiseux, quoi. Il fait ce qu'on lui demande de faire, mais doux. Et tu l'as jamais vu, tout le temps que tu as travaillé avec lui, avoir des états de nerfs ou autre, toujours calme, toujours délicat. Et donc, tu as quand même créé des liens avec cette personne-là comparé aux autres employés, déjà parce que la plupart des employés étaient plus ou moins déjà là, sous des saisonniers. Lui fait partie des 2 ou 3 employés pour lesquels tu as contribué à leur embauche et tu les suis régulièrement, et puis voilà, il y a une sorte de lien, quoi. Mais effectivement, il participe pas forcément aux fêtes. Donc oui, tu l'as vu avec les ouvriers, donc tu peux
éventuellement indiquer. Tu peux indiquer ça, oui. Eh ben non. Ben non. D'accord. Pas de problème. Donc, elle répondrait plutôt peut-être « Vous cherchez André ? Y a-t-il quelque chose de grave, officier ?» Oui, nous aimerons l'interroger, donc... À quel sujet ? La disparition du petit Antoine Boutillier. Vous ne pensez quand même pas que mon bon André est mêlé à ça, non ? C'est bien pour ça que nous voulons interroger et savoir quelques éléments de précision par rapport aux éléments de... Oh, mais je manque à tous mes devoirs. Est-ce que vous voulez un café ? Au moins, rentrez. Je ne peux décemment pas vous laisser arriver sans au moins un petit rafraîchissement. Un café, un verre d'eau, un verre de vin, peut-être. Donc là, tu vois qu'il... Non, pas de verre de vin, pas en service, Madame Blanche de Rose. Un petit café, le temps que vous alliez demander à vos... à vos responsables de vérifier s'il est sur propriété de le faire. Oui, mais en fait, il n'est pas là. Je l'ai envoyé ce matin faire une course, il ne reviendra que dans l'après-midi. Donc venez prendre un café, raccordez-moi ce qui se passe. Et puis ensuite, dès qu'il reviendra, je l'enverrai vers vous. Ou vers le commissariat, j'imagine. À la gendarmerie, oui. À la gendarmerie. Ah, c'est des gendarmes ou c'est des policiers ? C'est les gendarmes. Ah, excuse-moi. Trois petites villes, ce sont des gendarmes, oui. D'accord. Donc, je l'enverrai et je lui dirai de se rendre à la gendarmerie quand il reviendra. Je fais 10, très bien, 10 bon, avec dans ce cas-là, je vais pas vous embêter plus longtemps. Et on si, va si, 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 j'insiste, venez, venez. Je ne peux décemment non, pas non, recevoir... Non, dire, nous avons quand même un enfant disparu et nous avons... Ah, vous avez... c'est vrai, priorité. C'est vrai. Excusez-moi, c'est vrai. Vous avez des pistes ? Nous avons quelques informations, et notamment, et nous devons interroger M. Corvoisier. Mais vous avez si des pistes, vous dites qu'il reste cet après-midi, vous pouvez l'envoyer. Vous savez qui c'est, vous savez où il était là. Au fait, il était où la dernière fois qu'on l'a vu? Essayez de faire de la persuasion pour. Bah ouais, je veux en savoir plus. Donc ça va être le premier jet alors. Persuasion. Allez. Tantanana, le premier jet de la soirée. Il dictera le sort de cette partie. Et je fais un magnifique 85 et donc je rate. Ma persuasion, bien évidemment, parce que j'ai pas 85 en persuasion. Et ben disons, ça augure pas quelque chose de bon. Hein. Non, donc tu vois que t'as commencé à essayer de parler et tout, mais il repart dans ses idées et nous allons continuer notre travail. Donc ils remontent dans leur véhicule et la voiture s'en va. Qu'est-ce que tu fais ? Ben je reste dans la cour ou dans le, tu sais, j'imagine que en gros devant le château, j'imagine que ce sont, tu sais. Des petits cailloux blancs très typiques de la région, tu sais, comme la gravelle. Hein. Et donc j'attends de bien m'assurer qu'ils s'en vont. Et puis ensuite, je vais me rendre dans le champ pour aller parler avec André. Donc pas de problème, donc il est au milieu des autres ouvriers, des trucs comme ça, quoi. Du bord du champ, je lui fais signe de venir. Donc tu vois qu'il te capte et puis il avance au milieu des règes et puis il arrive à ta côté. Oui, madame. André, mon bon André. La gendarmerie est venue et apparemment a des questions à vous poser sur la disparition du petit Antoine. Vous n'auriez pas quelque chose à voir avec ça quand même, hein ? Non, non, madame, non, j'ai rien à voir. Tu vois sur son visage qu'il est... l'incompréhension, quoi. Non, 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 madame, j'ai rien à voir. Pourquoi ils veulent me voir ? Eh ben, je sais pas. Ils ont pas voulu me dire. Mais est-ce qu'à votre avis, ils auraient des raisons de vous lier, est-ce que vous avez vu le petit Antoine récemment? Le petit Antoine, je sais pas, c'est qui le petit Antoine? C'est lequel des enfants du village? C'est le fils du maire. Le petit brun. Il est pas très grand. Je sais pas, ça me dit rien. Les enfants, on les voit souvent jouer quand on est dans les champs. Au milieu des rêches, des fois on les voit jouer. Là. Je sais pas, peut-être que je l'ai vu, je sais. Je pourrais chercher sa photo. Je sais pas, madame. Est-ce que. Bah attendez, je dois avoir ça. Je sors mon portable. On est en quelle année? Rappelle-moi. 1990. Donc je sors pas mon portable. 1993. Bah écoutez, venez avec moi. Vous finirez plus tard là. Venez avec moi. Je suis sûr que j'ai des photos de l'inauguration du nouveau centre culturel et il était là avec ses parents. Il n'y a pas de centre culturel. Vous êtes un bourg de 900 âmes.
Le truc que tu peux le plus avoir, c'est à l'église, éventuellement, s'il y a des une sorte de... Non, je voudrais une cérémonie officielle où le maire serait là avec sa famille plutôt. À l'église, je suis pas Bah, t'as des convaincu. chances que au 11 novembre, il y a toujours une photo du journal pour les trucs du 11 novembre et les le 8 mai 45. Ah ben voilà, donc une célébration où il y aurait une photo du petit Antoine. Oui, on peut dire qu'il y a une il y a forcément une gazette locale entre guillemets qui est éditée et donc on peut dire qu'effectivement il y a les photos. Donc si tu les gardes, effectivement, tu peux retrouver la photo de la dernière commémoration Mais de disons que quoi je les garde forcément lié à parce sa famille. que c'est mon château qui a fourni le vin. Du coup, Ouais, ça fait ok, pas partie de problème. du portfolio qu'on a, du portfolio modeste du château Groslay. Donc je le ramène à la bâtisse et je fouille dans mes affaires. Donc ça prend un peu de temps et puis tu trouves, ouais. Il faut savoir que Sophie est, comme elle est très curieuse et elle garde, limite elle a sa propre bibliothèque et plein 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 d'informations sur toute la région. Tu vois, elle garde, c'est une sorte de trésor d'informations, des articles de journaux, des photographies, des bouquins sur la région, etc. etc. Et ça c'est une grosse section. Ensuite, elle a une grosse section œnologie, parce que c'est quand même sa passion et son métier. Et ensuite, elle a une grosse section sur le Pays basque. Tout, la géographie, le folklore basque, l'histoire basque, etc., etc. Donc, c'est à peu près. Donc, elle imagine que dans le château, il y a limite une pièce dédiée à tout ce bric-à-brac. Étant donné que Sophie n'a jamais été mariée, n'a jamais eu d'enfant, du coup, le château, il est quand même relativement grand pour elle toute seule, plus quelques personnes qu'elle emploie, quoi. Donc, je fouille dans mon bazar et je lui sors donc la photo de la commémoration. C'est lui! Vous le reconnaissez? Donc tu vois qu'il se penche sur la coupure de journal. Tu vois qu'il a l'air de réfléchir. Oui, je pense que je l'ai déjà vu. Oui, avec les autres enfants, ça me fait. Oui. Et je dois l'avoir vu ou quand? C'est quoi votre question, madame? Eh bien, quelle était la dernière fois que vous l'avez vu, ce jeune homme? Vous savez qu'il a Ah. disparu quand même. Ah, c'est lui le petit qui a disparu. Eh bien, oui. C'est pour ça. D'ailleurs, un truc que j'ai oublié, c'est qu'effectivement, aussi le gendarme vous a prévenu qu'une sûrement une battue allait être organisée et a demandé à. Puisque vous avez pas mal de saisonniers pour faire les vendanges, quand même, il y a différents, en tout cas pas mal de personnes autour du château. C'est quand même la grosse industrie de Tucoing, c'est votre château. De pouvoir utiliser cette force de main-d'œuvre en fin de journée, après votre journée de travail, pour faire une battue. Mais je leur demanderai. C'est sur la base du volontariat, hein, on s'entend. Mais je Oui. demanderai à toute l'équipe. Je fais passer le mot. Il doit y avoir pas les chefs d'équipe. On est une toute petite exploitation, mais il doit y avoir quelqu'un qui gère soit le maître de chai en tant que tel, soit il doit y avoir quelqu'un qui chapeaute un peu le tout. Donc Ouais. limite je lui fais passer un message et je fais en sorte que cette personne relaie le message et tous les volontaires sont invités à se rendre à tel endroit ce soir, etc., etc. Et compte tous sur eux et les volontaires seront personnellement remerciés par moi-même. Parfait. Donc il y Et aura moi ça aussi qui va j'irai d'ailleurs. s'organiser aussi. Moi aussi j'irai, je participe. Donc tu vois qu'il réfléchit à ces aspects-là et bah, souvent les enfants ils vont jouer ils te donnent deux trois endroits autour du village où il a pu les voir jouer quoi, en tout cas quand il était dans les différentes parcelles de vignes à travailler. Donc t'as deux trois endroits où ouais, tu vois où les enfants jouent, mais tu vois il a pas de précision plus que ça quoi. Bon, alors écoutez ce que vous allez faire. Continuez, il faut bien s'occuper du lot numéro 12, parce que je pense que j'ai vu des pucerons là-dessus, donc allez vous en occuper. Et puis, je vous conduirai personnellement à la gendarmerie en début d'après-midi. Comme ça, on va régler ce petit malentendu, et puis ensuite, vous pourrez recommencer vos activités, n'est-ce pas? Bien, bien, madame. Bien, allez, allez-y. En attendant, j'ai quelques petites courses à faire. Et donc Ok, là, donc tout excité, il repart faire son truc, ouais. oui, il repart, tout excité, je fonce dans ma chambre, je mets une tenue de marche,
Tu sais, style, avec des bottes. C'est des trucs assez robustes et tout. Donc là, il m'a cité deux ou trois endroits où on voyait les enfants. Donc, je vais y aller. Je vais aller voir si, soit je peux trouver d'autres enfants, soit si je peux trouver des traces du petit. C'est pas le petit Grégory, c'est le petit Antoine. Antoine. Très bien. Histoire différente. Ben, ça dépend, on verra. Est-ce qu'il y a un lac à côté ou une mer à côté? Il y a une sorte de petite étendue d'eau, on va du château. Et après, il y a différents ruisseaux. C'est une belle terre agricole bien alimentée. Et puis après, en bas, tu as l'estuaire quand même de la Gironde. Oula. Pas très loin. Ok. Et bien évidemment, je prends toujours mon fétiche avec moi. Je le mets dans une poche. Ouais, disons que, c'est vrai. En règle générale, Sophie prend pas forcément de sac à main avec elle, etc. Elle est plutôt style à avoir des trucs dans ses poches. Sauf si, bien évidemment, elle sort en soirée ou elle sort quelque part en ville. Dans le village ou en ville, dans ce cas-là, son truc, mais... Bah, la ville, c'est Blaye à côté, quoi. Le truc le plus... Oula, c'est... Non. La grande ville, c'est Blaye, quoi. Ouais, grande. Bah après, t'as Bordeaux à côté, hein. C'est ça. Mais là... C'est pas très loin, hein. Non, c'est pas très loin, non. Donc voilà. Donc, elle s'habille rapidement. Et là, donc, elle a probablement quelques heures où elle va pouvoir... visiter les endroits et aller voir ces trucs. Alors, sachant qu'elle a un chauffeur, donc c'est le chauffeur qui la conduit, hein. Elle ne conduit pas. Ou elle ne conduit pas bien. Elle sait conduire, c'est juste qu'elle ne conduit pas bien, donc elle conduit par elle a un chauffeur. D'accord. Donc, tu vas me faire un petit jet de dés, de chance. Allez, on va faire de la chance. Ouh là là là, attention, est-ce que Sophie est chanceuse? Elle a 80 en chance. Ah ouais, elle est chanceuse. Et j'ai fait 11. Parfait. Succès. Waouh. Que va-t-il se passer pour Sophie? Va-t-elle trouver le petit Antoine? Est-ce que André est coupable? Pour savoir la suite de cette aventure, retrouvez-nous. Vous assisterez à la fouille du village et sûrement plein d'autres choses. Pour continuer à tout suivre, vous pouvez vous abonner sur les différents médias sociaux, Twitter, Instagram, Mastodon, ou... en allant sur notre site unduoroliste.net. N'hésitez pas à commenter et partager, et au plaisir de vous retrouver sur notre radio.